Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, petite info afin de prévenir, si vous avez l'intention d'acheter un accessoire, comme vous pouvez le voir, il y a une nouvelle politique au niveau de Xbox, c'est que ils ne vont plus accepter les accessoires qui sont non officiels, c'est-à-dire ce sont des accessoires qui proviennent des marques qui ne sont pas partenaires avec Xbox. Et si vous en utilisez, ben, normalement vous devez recevoir ou devez avoir reçu ce message, ce code d'erreur là. Voilà, et comme ils ont dit, même sur Windows Central, que ça peut s'étendre jusqu'aux accessoires qui sont utilisés via wireless, donc Bluetooth, ou... ouais, c'est ça. Donc, alors, quelles sont les marques que vous devez regarder? Vous voyez là, c'est Design for Xbox, vous avez les marques qui sont partenaires. On a WD Black pour tout ce qui est soukage, Razer, Nacon, Bang & Olufsen, HyperX, il y a Corsair, 8BitDo, PowerA, Turt Beach, quoi encore, Logitech, Scuf Gaming. Donc les marques sont là, c'est elles qui sont partenaires avec Xbox. Ou si vous voulez vraiment acheter un truc, assurez-vous qu'il y ait ce logo là. Là, c'est écrit Design for Xbox. En tout cas, voilà, vous êtes prévenus. Maintenant, si vous décidez d'aller, si vous décidez d'acheter un produit qui n'a pas ce logo-là, bah, vous allez perdre de l'argent. Ou si vous avez un produit qui n'a pas le Design for Xbox, bah, je vous conseille de le retourner, essayer de vous faire rembourser. Parce que à partir du 12 novembre, ça ne va plus fonctionner. Ah. Et si ça vous intéresse vraiment pour tout ce qui est accessoire, vous pouvez le retrouver sur le site hein, Xbox. Donc vous voyez ici, il y a les manettes, il y a le Xbox Design Lab, les skins de console, tout ce qui est accessoire pour jeux mobiles, les supports, ok, les casques, tout est là, stockage, les écrans, voilà, 32 pouces, câble, technologie d'assistance Windows, et puis je pense que c'est tout. Voili voilou les amis, donc n'hésitez pas à réagir en commentaire ce que vous en pensez de cette nouvelle politique là. Moi je trouve que c'est bien parce que bah, les marques qui créent d'autres produits et que qui n'est pas vraiment, comment dire, qui crée des produits sans partenariat avec Xbox. Cela veut dire que, bah, à côté, ils peuvent pas avoir vraiment le kit pour que ce produit-là soit vrai, soit performant. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que les marques partenaires, elles sont vraiment là, elles ont les kits, elles ont sûrement des secrets aussi de l'entreprise. En fait, quelque chose qui va faire en sorte que ce produit-là vraiment fonctionne très bien avec voilà, avec les produits Xbox, avec les consoles et ainsi de suite. Comme ça, vous n'avez pas de soucis. Voilà. Pas d'erreur de branchement, pas de perte de... c'est pas de déconnexion, ce genre de choses. Le micro qui va très bien fonctionner. Tout ça, justement, si les marques ne sont pas partenaires et qu'elles créent des produits... justement pour une console donnée, c'est ça qui fait que des fois il y a des soucis. Voilà, allez, moi je vous laisse, n'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et puis n'hésitez pas à faire un tour sur le site, hein, s'il y a des choses qui vous plaisent. Et puis moi je vous dis à la prochaine, salut salut.